Thomas, le barbu. Le bûcheron intelligent. Chauve. Les premières années, c'était le gars qui engageait à 200% et qui se posait pas vraiment de questions. Ça lui jouait des tours souvent. Jonas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, quelqu'un qui parle beaucoup. Il fait monstre lourd, tu sues comme c'est pas permis. Il l'a fait hors de l'eau. Sergent grosse baleine. Peut-être pas le plus souple sur les jambes, mais c'est un peu agressif. C'est clair que c'est la tronche du groupe. C'est le genre de mec qui va se mettre une journée d'entraînement et il va rentrer pendant que toi tu fais la sieste. Lui, il va lire un livre tout en sachant que pour dire des conneries ou des trucs dans le genre, c'est pas le dernier non plus. Derrière, viande d'haleine. Adieu. Et malgré tout ça, c'est quand même un très grand combattant. C'est quelqu'un qui engage beaucoup. Il a aussi une très bonne technique. S'il est très efficace sur des rounds à plusieurs, parce qu'il est agressif et toutes ses attaques, elles sont posées, elles sont déterminées, elles vont jusqu'au bout. Il bère son petit air de bûcheron. C'est quelqu'un qui, à mon avis, fonctionne vachement à l'affectif. C'est quelqu'un de foncièrement sentimental. Son point fort, c'est qu'une fois qu'il est en confiance, ce mec-là, il va prendre des trajectoires que personne ne prend et que c'est difficile à aller le chercher. Du coup, ça donne une personnalité assez complexe, mais très déterminée à la fois, donc ce qui lui permet d'accomplir de belles choses. Au lendemain de Sochi, il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et je crois que c'est là où il va puiser sa force.